Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce deuxième match de la soirée alors que le Rougeur de l'Université Laval reçoit les Stingers de Concordia. Félix avec Alexandre avec vous pour ce match. Félix, on arrive d'une semaine incroyable. Première victoire la semaine dernière. Parle-nous un peu de ce match-là. Oui, la semaine passée, une grosse victoire pour Laval contre McGill. Victoire pour presque 30 moins. Tous les joueurs de l'équipe ont contribué à cette partie-là. Ça a vraiment été une belle partie. Exact. Donc, ça a relancé l'équipe là, pour nous remettre en quatrième place du classement avec cette victoire-là. Et ce soir, match avec un grand enjeu, on peut aller chercher la troisième place. Oui, un grand enjeu avec une victoire troisième place, comme tu le dis. Par exemple, un gros adversaire du côté de Concordia, des joueurs comme Jahim Joseph, qui se font sentir sur le court à chaque fois qu'ils mettent pied. Exact. Donc, ça va être un match enlevant ce soir. Notre dernier match à la maison en 2023. Donc, on va aller chercher une victoire, chercher la troisième place au classement. On souhaite bon match à tous. Go, Rougeur, go! Une tomate biologique cultivée sans engrais chimiques ni pesticides, tout le monde connaît. Mais les cochons bio, c'est un peu différent. Ils sont évidemment nourris aux grains biologiques, sans OGM, antibiotiques ou hormones de croissance. Mais c'est aussi une question de bien-être animal. L'élevage de cochons bio exige de la paille pour fouiner et un espace sans cage deux fois plus grand pour jouer et socialiser. Ils ont accès à l'extérieur pour profiter du soleil, respirer l'air frais et exprimer leur comportement naturel. Une vraie vie de cochon sans stress. Dubreton est devenu le plus important producteur de porc biologique en Amérique du Nord en collaborant avec des centaines de fermes familiales. Nos éleveurs vivent fièrement d'élevage axé sur le bien-être des animaux en harmonie avec la nature. Pour une certification fiable, choisissez simplement le logo Biologique Canada. Dubreton, des produits à la hauteur de vos valeurs. Le pétillant peut être doux, tout comme la simplicité peut être sophistiquée. C'est notre genre d'équilibre. Montelier, une source d'ici naturellement équilibrée. Donc, on y est, Félix. C'est le dernier match à la maison pour le Rougeur, alors que les cinq partants des deux équipes vont être annoncés. Match avec un grand enjeu, on en parlait tout à l'heure. On pourrait terminer troisième à l'issue de ce match avec une victoire. Oui, c'est le genre de victoire qu'on veut aller chercher à ce stade-ci de la saison. Exact. Le Rougeur qui veut finir aussi, il va avoir quelques matchs. On va avoir quelques matchs sur la route après ce soir. Donc, on veut prendre confiance, aller chercher ces victoires à la maison, pas en échapper. Alors que le classement est très serré, là, il y a pas plus tard que 7 jours et quelques heures, on était 5e au classement. On a gagné contre McGill il y a une semaine exactement. On est monté en 4e place, on peut monter en 3e place aujourd'hui dans une ligue à 5 équipes où les 4 premières équipes font les séries éliminatoires. C'est sûr que ça va jouer à pas grand-chose. Très, très important ce soir. Alec Faneuf qui débute pour Concordia, joueur d'expérience comme garde. Également Sami Jahan. Le numéro 11, Tyrell Williams. Joueur de 6 pieds 6, très présent au niveau physique. Accompagné du numéro 15,
Kareem Sally et du fameux numéro 22, Jaheim Joseph, qui a connu des soirées de plus de 20 points. Joueur très présent dans l'attaque de Concordia. Oui, notamment la dernière game contre Laval, justement, une prestation de 23 points pour Jaheim. Exact. De notre côté, Steve Joseph, Sidney Tremblay-Lacombe, Saïd Oussal, qui a connu une excellente soirée la semaine dernière. Lui aussi, qui a eu un bon match, Ismaël Diouf. Et Haris Elozovic. Beaucoup de grandeur là, du côté de Concordia. Plusieurs joueurs, le 6 pieds 5, 6 pieds 6. Mais le plus grand sur le terrain, ça reste Ismaël Diouf. Donc ça risque d'être de beaux duels à l'intérieur. Beaucoup de joueurs physiques. Ça va être très, très physique sur les rebonds. Oui, Ismaël Diouf qui est capable de jouer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, qui a un bon tir du 3 points quand même. Et c'est parti. Sami Jahan, Alec Faneuf, qui mène la première attaque. Et c'est Saïd Oussal qui aura le mandat de jouer en défense contre Jaheim Joseph, alors que Faneuf débute avec un 3 points. Et c'est la perfection sur le premier lancé. Joueur de petit gabarit, mais très dangereux, Faneuf. Oui, on commence directement à hauteur. C'est ambitieux du côté de Steve Joseph. On essaie d'aller chercher Diouf. Et Jaheim Joseph. Des possessions rapides du côté de Concordia. Oui, on va chercher des lancers au pourcentage, des lancers de qualité. Et jusqu'à maintenant, c'est payant. Ismaël ici à l'intérieur, dommage. Et on reprend, on récupère, bien fait, le rebond offensif. Bon rebond, bonne deuxième chance. Exact, et je vois le score de 4-2 affiché ici. Donc, le lancer d'Alec Faneuf qui était un 2 points, probablement un pied sur la ligne pour débuter ce match. Ici, il y a beaucoup de contacts entre Haris Elozovic, Sami Jahan. Et on trouve l'intérieur Kareem Sally. Dans de très belles offensives là, du côté de Concordia. Il va falloir resserrer notre défense du côté du Rouge et Or. Ici. Oui, exact. On va jouer sur la grandeur. Les trois premières offensives du côté du Rouge et Or. On est allé sur la première. On a tenté le alley-oop avec Ismaël Diouf. Les deux suivantes, on tente de lui donner le ballon à l'intérieur. Ça semble être notre avantage qu'on veut exploiter. Et c'est Tyrell Williams qui a commis la première faute de ce match. Et c'est Saïd Oussal. Ismaël Diouf. On revient avec Steve Joseph et Haris Elozovic. Joseph. Ah, dommage. On avait vu son coéquipier qui était démarqué, Faneuf. Et c'est bien défendu du côté du Rouge et Or. On dévie cette passe. Et ici, il y aura déjà un changement. Saïd Oussal qui laissera sa place à Willem Mwanza. Joueur très physique, Willem Mwanza. Oh, Sami Jahan, beau lancé là-dessus. Pleine extension. Très beau tir. Un tir rapide, mais en contrôle. Très peu d'hésitation là, du côté de Concordia. On est confiant. On n'hésite pas. On lance. Ouais, on sent qu'ils sont confortables. Très beau tir de Haris. Yes, Haris Elozovic. Il va d'un lancer précis. Et Jaheim Joseph. Alec Faneuf, on trouve Sami Jahan. Un autre. Et du côté de Concordia, là, tout semble marcher. Les options qu'on souhaite. Bon, ici, beau jeu défensif d'Alec Faneuf qui va chercher la faute sur Sidney Tremblay-Lacombe. Ah, quel très, très bon début de match pour Concordia. Offensivement, c'est la perfection. Défensivement, on va chercher la faute offensive là-dessus. Assurément, coach Popovic qui sera très heureux du début de match de son équipe. Et
Et pour ceux à la maison qui se demandent, non, ce n'est pas Greg Popovich qui est à la barre de Concordia. C'est Rasko Popovich. Coach de 9e année à Concordia. On voit qu'il a de l'expérience. Oui. Coach d'expérience, très bon entraîneur. Ici, ce sera nouvelle possession avec 16 secondes à faire pour le Rouge Or. Larissa Elezovic, Willem, Ousmane Diawara. On veut retourner à Elezovic. Diawara avec Faneuf. Très belle défensive, très serrée. Oui, on ira chercher la faute. Il y avait beaucoup de contact. Diawara qui se retrouvera au lancer franc. Donc, on voit encore Félix là-dessus. On a cherché Elezovic à l'intérieur. On semble, du côté du Rougeur, beaucoup jouer avec notre gabarit. Oui, mais c'est l'avantage qui est présent du côté de Laval. C'est la grandeur. Du côté de Concordia, on a des longs joueurs, mais du côté de Laval, pratiquement tout l'alignement présentement, à part Steve Joseph qui fait au-dessus de 6 pieds 4. Oui, avec Ismaël qui culmine à 6 pieds 9. Un avantage de taille, évidemment. Joseph. Encore une fois, on travaille bien après l'écran. On va même chercher la faute. Karam Sali qui se retrouvera au lancer franc. Ça fait deux fois là, qu'il fait son écran. Rouleau panier, il se retrouve seul. Peut-être un petit manque de communication, un manque d'aide à l'opposé du côté du Rouge et Or. Coach Grant qui certainement fera des ajustements. Et c'est Saïdou qui prend la place d'Ismaël Diouf. Des défis techniques sur le terrain. Ouais, les joueurs qui ont déjà chaud, même si le match est débuté depuis seulement 3 minutes et quelques secondes. Lionel Rougeard, va falloir ralentir l'offensive de Concordia qui est tout feu, tout flamme en ce moment. C'est déjà forgé une avance de 5 points, 11-6. Possiblement augmenter cette avance avec Sally au rebond. Ici, on appellera la faute sur le numéro 11. À la grande surprise des joueurs de Concordia. Donc, ce sera la deuxième faute d'ailleurs à Tyrell Williams qui probablement... Oui, c'est ce que je pensais. Il y aura une substitution pour lui. Une faute importante ici. D'autant plus frustrante pour l'entraîneur qui doit amener son joueur sur le banc pour amener Jordan Telford. Steve Joseph, Saïd Oussal, Willem et Harris Elezovic. Tout le monde touche au ballon. Et on recherche Ousmane Diawara. Trouver une brèche. On bien fait au rebond de la part de Concordia. Joseph qui semble toucher à la cheville. Sur le rebond, certainement, est-ce qu'il a atterri peut-être sur un pied ou semble en douleur sur le terrain? Oui, c'est possible. Ça ne s'annonce pas super bien pour Concordia, ça. Non, jamais des situations qu'on souhaite voir. Là. Joueur important pour les Stingers. Oui. Lui qui a connu des soirées au-dessus de 20 points. Oui, présentement une moyenne de 21,5 points par match. Impressionnant. Ouais. Donc s'il devait s'absenter, ce serait lourde perte pour l'équipe de Concordia. Lui, toujours pas relevé, donc ça semble assez sérieux. Et avec l'équipe de soigneurs, on verra également qui prendra cette place, qui se lèvera du côté de Concordia pour possiblement prendre ce rôle de marqueur numéro 1. On le voit là debout. Semble être en mesure de marcher. Mais on aime mieux voir ça. Bon, il y a de la douleur, mais semble marcher relativement confortablement dans la mesure du possible. Et c'est le numéro 10 qui fera son entrée, Louis-Vincent Gauvin. Et on est reparti.
Toujours l'avance de Concordia, 11-6 dans ce début de match. Et c'est Sammy Johan qui débutera, amorcera l'attaque des Stingers de Concordia. Trouve Sally. On revient sur Johan. Elisovic qui est venu aider. Sally lancé. Mais distance, c'est réussi. 13-6 en faveur de Concordia. Steve Joseph qui mène l'attaque des siens. Travaille avec Elisovic. On regarde pour Sal. Belle passe d'Elisovic là-dessus. Sal qui ne peut finir malheureusement. Et ce sera tout de même rebond pour le Rouge et Or. On cherche Steve Joseph. On va aller avec la grandeur d'Elisovic. Steve Joseph, sa vitesse. Bien fait de sa part, dommage. Ne peut conclure s'il avait trouvé un espace là-dessus. Veut bien accélérer. Johan sur la contre-attaque. On bien défendu Joseph. Quelle main habile. Johan avec Sally. On trouve Sally encore une fois à l'extérieur. On revient. Non, c'est lancé. Et Vincent Gauvin avec le rebond. Alex Panev. Beau rebond d'Elisovic, et c'est la contre-attaque. On a besoin de vitesse. Rouge et Or qui a des petites difficultés offensivement dans ce match jusqu'à maintenant. Bien fait d'Elisovic là-dessus. Ouais, une belle tentative. Oui, c'est le genre de lancer qu'on aime voir là, du côté du Rouge et Or, Félix. Sammy Jan. On revient à l'intérieur tout de suite sur Sally contre Elisovic. Duel musclé. Oh, bien fini. Sally qui a un excellent début de match offensivement. Joueur qui en est à sa première année là, avec Concordia. Qui déjà semble en plein contrôle. Mérite sa place sur le 5 partant. Et c'est Sall qui ne peut trouver à l'intérieur. Petit manque de réalisme là, du côté du Rouge et Or. Et c'est Faneuf en force sur Steve Joseph. On semble vouloir retourner à l'intérieur. On travaille avec l'écran. Sally, l'extérieur maintenant. Elisovic au rebond. La contre-attaque. William Mwanza. Cherche. On trouve Ousmane Diawara. Steve Joseph maintenant. Demande un écran d'Elisovic. Elisovic qui s'amène. Faneuf très serré en défense. Belle feinte là-dessus de Joseph. Le lancer très bien exécuté là-dessus. Belle décision de Steve Joseph. Trouve son coéquipier qui est complètement démarqué. Et Haris Elisovic n'en demandait pas tant. Deuxième lancer réussi pour lui ce soir. Oui, c'est un lancer où il est très confortable. Ah, dommage la faute qui est appelée sur Saïd Oussal. Vraiment, Sally qui cause beaucoup de troubles au Rouge et Or jusqu'à maintenant. Oui, une forte présence à l'intérieur. Oui, Concordia qui est presque à chaque offensive. Joue avec lui, lui donne le ballon à l'intérieur. Parfois, c'est pour le ressortir. Parfois, c'est lui qui finit. Mais une grande menace là, du côté de Concordia, le numéro 15, qui laissera sa place maintenant au numéro 24, Bradley Louis-Don. Yes. Et le numéro 5 maintenant, Emmanuel Duprat, qui a fait son entrée aussi. Le voilà. Louis-Vincent Gauvin maintenant, numéro 10. Perd le ballon. Ce sera ballon Rouge et Or. Bien défendu là-dessus. Donc, il faudra capitaliser. Là, on est un petit peu plus petit du côté de Concordia. Rouge et Or qui a plusieurs avantages de taille là, dans les duels un contre un. Même Saïd Oussal, même William Mwanza, Smail Diouf également. Donc, tenter de mettre nos joueurs en position à l'intérieur, en avantage. Et voilà qui est fait. Bien, ah, dommage. Alec Faneuf, le deuxième effort là-dessus pour retrouver et récupérer le ballon pour son équipe. Et le voilà d'un bout à l'autre. Ouais, très belle séquence pour lui. Et ce sera temps d'arrêt pour le Rouge et Or alors que Concordia se forge une avance en ce début de match. 15-8. 17, pardon, avec ce dernier panier. Oui, 17-8, donc une avance de 9 points. Des petits ajustements à faire offensivement, surtout du côté du Rouge et Or, Félix. Oui. À date à l'intérieur, des passes qui n'ont pas connecté.
Exact, ça a été plus difficile de trouver les opportunités de finir au panier pour le Rougéard. Alors que Concordia est allé chercher des lancers de qualité, notamment avec Sally à l'intérieur. Karam Sally qui a tout un début de match jusqu'à maintenant. Très présent au rebond, très présent sur les attaques. Est allé chercher des fautes également. Donc c'est avantage le Concordia jusqu'à maintenant. Oui, Sami Jahan aussi, Alec Faneuf qui utilise leur vitesse pour aller chercher des tirs rapides. Des tirs rapides mais en contrôle aussi. Exact. Donc il faudra trouver des solutions. Sidney Tremblay-Lacombe qui est sorti du terrain. On ne l'a pas vu beaucoup. Steve Joseph qui n'a pas eu énormément de percées jusqu'à maintenant. Donc, ce sera important de les voir contribuer à l'attaque du Rougéard. Ça a été beaucoup à l'intérieur, mais on sait que cette équipe est très profonde et on le voit. Sidney Tremblay-Lacombe qui fait son entrée sur le terrain. Là, lui qui, on le sait, peut mener l'offensive du Rougéard sur son dos, qu'il l'a fait à maintes reprises dans les dernières années. On espère qu'il sera l'étincelle qui va raviver le feu de Laval ce soir. Exact. Et pendant ce temps-là, on voit toujours Jahir Joseph qui travaille avec les soigneurs. Ça semble toujours douloureux. Et debout, marche, tente de faire des mouvements. Ça a l'air difficile. Lui qui s'est blessé en début de match. Sur un rebond ici. Steve Joseph cherche un coéquipier. Trouve Ismaël à l'intérieur. Dommage. Perd un petit peu le contrôle et s'est récupéré avec brio. Steve Joseph aux trois points. Le rebond est dans les mains de Bradley Louis-Dunn. Et ce sera Alec Faneuf. Avec ce même joueur, Louis-Dunn. Perd un petit peu le ballon. Récupéré par Duprat. Jordan Telford. Bien fait, tout en force. En ligne droite. Et maintenant, l'avance est de 11 points du côté de Concordia. Sidney de retour à Steve Joseph, à Saïd Oussal. Willem Wanza. Ismaël. Alec Faneuf qui est très, très, très serré en défense. Et Steve Joseph qui frappe un mur là-dessus. Avait trouvé une brèche, mais... Belle défensive de la part de Bradley Louis-Dunn. Oui, qui revient. Ne se laisse pas avoir, reste droit. Conteste lancé. Et c'est Ousmane Diawara qui refera son entrée dans ce match. Et Haris Elizovic également. Donc on est Fabrice maintenant qui sera le meneur du côté du Rougéard avec Ousmane Diawara, Sidney Tremblay-Lacombe, Haris Elizovic et Ismaël Diouf. Sidney Tremblay-Lacombe qui perd pied. On remet à Diouf qui déborde. Trouve Fabrice à Diawara. Le lancer de l'extérieur à... Et Elizovic, belle position, est en mesure de récupérer. Ah, dommage. Falloir capitaliser sur ces deuxièmes chances-là, Félix, pour revenir au score. Des petits ratés à l'intérieur qui font mal, avec un écart de 11 points maintenant. Des petits ratés qui font mal, mais c'est l'avantage qu'on veut aller chercher du côté de Laval, tout de même. Oui, alors que ici, quel dunk! Bradley Louis-Dunn qui, en force... Sans équivoque, vient finir au panier. Il y a de la misère à contenir là, après l'écran sur le joueur qui roule du côté du Rougéard. Et là, Faneuf qui vient voler le ballon à Ismaël. Et va chercher la faute. Ici, c'est tout à l'avantage de Concordia jusqu'à maintenant. Alec Faneuf qui est capable d'utiliser sa vitesse, son imprévisibilité. On voit qu'il a un pas d'avance. Et Faneuf, à 5 pieds 7, malgré son petit gabarit, a toute une impulsion, est capable d'aller très haut dans les airs, passe beaucoup de temps dans les airs, du airtime de l'expression anglaise qui lui permet de finir au panier, même contre de grands joueurs, comme il vient de nous le démontrer. Oui, capable d'aller prendre le contact aussi. Exact. Rester stable dans les airs. Rate le deuxième, ce qui limite l'avance à 14 points pour Concordia. Fabrice. Et maintenant, c'est également le frère de Steve, Ralph Joseph, qui a fait son entrée, numéro 15. Lui qui a le ballon. Il a perte de balle.
On a dévié côté Rougeard. La balle reste à Concordia. Sidney Tremblay-Lacombe qui viendra prendre la place de Fabrice. Boitier-Berthiaume. La difficulté du côté du Rougeard à trouver de belles opportunités, des lancers faciles, des lancers ouverts pour nos joueurs. On sait qu'on a plusieurs armes, mais dans le collectif, un petit peu plus de difficultés. Alors que du côté de Concordia, c'est l'inverse. Et ici, on voit encore, c'est Emmanuel Duprat, son premier panier de la soirée, en confiance. Ah, dommage pour Diouf qui était découvert là. C'est Faneuf, tout un jeu défensif de sa part. Et lancé ouvert, complètement ouvert. Et ça porte l'avance à 27-8 en faveur de Concordia avec ce dernier 3 points. Est-ce qu'Ousmane Diawara sera terminé ce score en force, nous donner confiance, partir un momentum? Et c'est le rebond alors qu'il reste 3 secondes. Et le dernier lancé de la part d'Emmanuel Duprat. Alors fin de quart, fin du premier quart là-dessus. 27 pour Concordia, 8 pour le Rougeard. Très difficile, notamment offensivement, pour les joueurs du Rougeard de l'Université Laval, Félix. Oui, on est capable d'aller voir les match-ups, comme on dit, à l'intérieur, mais la difficulté à capitaliser, la difficulté à terminer, à finir les petits tirs à côté du panier. Exact. Et du côté de Concordia, c'est tout l'inverse. On est très opportuniste. On a les lancers qu'on veut, des joueurs qui sont confiants. On est allé beaucoup avec William Sally à l'intérieur. On a vu Sami Jahan, Alec Faneuf près de l'extérieur. Et tout va bien là, du côté de Concordia. Oui, Concordia, c'est une équipe qui est capable de scorer à tous les niveaux sur le terrain. Ils ont des bons tirs aux 3 points, des joueurs qui sont capables de jouer à l'intérieur, au mid-range. Une équipe très polyvalente. Ce sera intéressant de voir les changements de Coach Grant. Qu'est-ce qu'on va amener pour déranger le momentum qui est en faveur de Concordia jusqu'à maintenant? Donc, on va peut-être voir des changements de stratégie. Plus tôt dans la saison, on a vu des défensives de zone du côté du Rougeard. On est revenu en défensive homme à homme. Peut-être de la pression tout-terrain qui va venir pour casser ce momentum et aller chercher des paniers faciles à la suite de l'interception, à la suite de perte de balles, pour redonner confiance un petit peu à son équipe qu'on sent qui doute en ce moment. Ouais. Tu parles de pression tout-terrain, justement. Ça pourrait ralentir les attaques rapides de Concordia. On voit depuis tantôt. Exact. Concordia qui, sans hésitation, malgré la blessure là, à Jahim Joseph en début de match, ça ne semble pas les incommoder là, qui sont déjà non, à 27 points après un quart. Donc, assurément que le Rougeard, les 2-3 premières possessions sont très, très importantes dans ce quart-ci. Donner le ton pour réduire cette avance. On veut l'amener en bas de 10 points si c'est possible à la demi pour y croire. Pas laisser Concordia s'échapper et aussi se mettre dans le match. Le Sidney Tremblay-Lacombe, Steve Joseph, qui n'ont pas trouvé leur air d'aller, n'ont pas trouvé un petit panier pour se donner confiance et partir leur match. Non, c'est ça, exact. On espère qu'ils réussissent à mettre quelques paniers en début de quart, que ça les remette dans leur élan. Exact. Et Pendant le changement de corps, on a ramené Mohamed Keita dans le match. Donc, on va y aller avec la 16, et voilà. Effectivement. Et c'est exactement comme on veut partir. Sidney Tremblay-Lacombe, le dunk sur la première attaque. Voilà quelque chose pour nous mettre en confiance. Exactement ce qu'on cherchait pour Sidney Tremblay-Lacombe, des jeux électrisants. Oui. Et voilà. Devant que nous sommes, l'Université Laval qui revient avec un zone, avec Keita à l'intérieur, qui va déranger beaucoup de paniers, beaucoup de lancers de Concordia. Donc, on verra comment les Stingers s'ajusteront à la suite de la stratégie de Coach Grant. Belle percée ici de Sami Jahan. Très patient, prend la bonne décision. Joueur très intelligent, numéro 9 de Concordia. Quatrième année. Keita a lancé de l'extérieur. Et c'est ce même Jahan qui repart l'offensive. Duprat de l'extérieur. Le rebond, Diawara. Ralenti, reprend le contrôle. Aris Elezovic avec Joseph. On revient avec Elezovic qu'on a vu prendre
se lancer très confortable. Screen and pop, comme on dit en anglais. Plutôt que rouler à l'intérieur. Reste à mi-distance pour prendre le lancer. On voit qu'il est très confortable dans ce tir-là. Oui, je pense que ça fait 3 qu'il met aujourd'hui. Ça a été les meilleurs lancers du Rougeard et de loin ce soir. Si belle séquence défensive, c'est un lancer difficile là-dessus. Bien fait d'Emmanuel Duprat. Lancé avec énormément d'arc. Presque exagéré. Mais belle maîtrise de sa part. Et encore une fois, Lezovic qui recule. Mais très bon lancé de sa part. Ce n'est pas la dernière fois qu'on voit cette stratégie entre lui et Steve Joseph. Toujours la défensive de zone. Numéro 13, Telford à Duprat de l'extérieur. Au bienfait de Steve Joseph au rebond. Lève la tête, trouve Sidney sur la transition. On revient à Steve Joseph. On travaille avec Elezovic. Sans surprise, au bienfait de Steve. Et encore une fois, Steve, le deuxième effort. Sidney à Keita. On revient à Sidney avec 5 secondes. Beau lancer de Sidney Tremblay-Lacombe, lui qui excelle aussi à se lancer à mi-distance. De belles séquences pour commencer le deuxième quart là, du Rougeard. Elezovic, les lancers qu'il prend avec confiance. Sidney Tremblay-Lacombe a débuté avec un dunk ici. Un lancer qui pour lui est un lancer de routine. Et là, il faudra arrêter le numéro 5. Emmanuel Duprat qui est en confiance actuellement. On travaille avec Elezovic ou Diawara. Bien fait. Voilà. Et voilà, donc ce sera temps d'arrêt demandé par Concordia. De bien meilleures séquences, Félix, en ce début de deuxième quart. Oui, c'est le genre de jeu qu'on veut voir, surtout dans la situation dans laquelle Laval est présentement. Et on trouve de belles opportunités, des lancers que les joueurs sont habitués de prendre. On prend la défensive de court, on voit sur la dernière attaque de Diawara, le mouvement qu'on apporte offensivement empêche à l'aide de venir. Dès qu'il a battu son joueur, se rend jusque la planche pour finir un lancer très, très facile pour lui. Oui, on a été capable d'aller chercher des tirs qu'on sait que les joueurs sont capables de mettre habituellement. Qu'aujourd'hui, on a eu un peu plus de difficultés au début, mais là qu'on est en train de mettre de plus en plus. Exact. Et là, le Rougeard qui a un momentum en ce début de deuxième quart, alors que l'écart se resserre, 15 points toujours d'écart. Mais les 3 premières minutes ont été largement en faveur de l'équipe de Nathan Grant. Du côté de Concordia, le numéro 5, Emmanuel Duprat. Déjà en début de deuxième quart, 3 ou 4 tirs du 3 points. C'est le genre de tir qu'on ne veut pas lui laisser trop souvent. On sait qu'il est capable de les mettre, on sait qu'il est en confiance. Exact, t'es dangereux là, du coin opposé à nous. Ouais, c'est pas parce qu'il les a manqués qu'il est pas capable d'en mettre d'autres plus tard dans la game. Exact également. Sami Jahan, le joueur très intelligent et expérimenté là, qui mène l'attaque du côté de Concordia. Lui qui peut trouver les brèches et très versatile. Ici, Louis Don, l'intérieur du Prat, le voici avec Jahan. Bien fait de la part de Jahan. Ouh, un tir difficile. Il s'est rentré. Ouais, très à l'aise dans ce genre de lancer mi-distance, Sami Jahan. Et Saïd Oussal, on le connaît. Et Elezovic au rebond, musclé. Va chercher la faute, and one! Et oui, bon match d'Elezovic. Très présent au rebond. Maintenant, son troisième ou quatrième panier de la partie. Plus de la moitié des points de son équipe. Lui qui jouait contre son ancienne équipe la semaine dernière, McGill, dans la victoire écrasante du Rougeard là, par 30 points, qui a d'ailleurs permis à son équipe de prendre la quatrième place de McGill. Belle revanche de sa part. Et là, Alec Faneuf qui fait son retour avec Jahan, avec Telford Duprat, et puis Karam Salih. Faneuf de très loin. Et oui, beau 3 points de sa part.
de très, très loin, même plus loin que le 3 points de billet là-dessus. Faneuf qui est très dangereux offensivement. William Wanza, Elizovic, Steve Joseph, déborde à l'extérieur. Et on avait anticipé la passe à Elizovic là-dessus. Concordia qui est venu intercepter ce ballon. Toujours défensif de zone, 2-3 pour le Rouge et Or. Jahan maintenant avec le ballon. Alec Panev du 3 points à nouveau, la un perfection. Autre. Oui, là le Rouge et Or qui se fait battre sur les dernières actions, les dernières séquences par des lancers de l'extérieur. On bloque bien les options à Sally. Mais Alec Panev, Sami Jahan qui en profite de l'espace qui leur est laissé. Et Jahan qui va chercher la faute sur William Wanza qui se retrouvera au lancer franc. Et là, on manque de solutions défensives. Concordia qui a eu des faiblesses en début de quart, mais maintenant, plusieurs séquences où on réussit à trouver le fond des filets. Ouais, on laisse des tirs faciles du côté de Laval. Des tirs qu'on sait que Concordia est capable de mettre. Il va falloir resserrer. On a vu quelques jeux en attaque où Laval a l'opportunité de reprendre un peu un élan dans cette game, mais du côté défensif, quelques problèmes qui font que Concordia est capable de garder leur grande avance. Exact, alors que ici Concordia atteint le plateau des 40 points, 41 points maintenant à 18, une avance de plus de 20 points, alors qu'on l'avait réduite à 15 il y a de ça quelques séquences. Et là, Saïd Oussar qui... Dommage, j'avais le pied sur la ligne, sur le rebond. Là-dessus, suite aux trois points de Fabrice Wattier-Berthiaume. Et ce sera une substitution, le numéro 7, Kevin Vilsain, qui fera son entrée. Alec Faneuf, qui mène l'offensive de Concordia. Avec Sami Jahan. Et c'est raté. William Wanza au rebond. La contre-attaque, il est pourchassé. Très bien fait de sa part là-dessus. Mwanza, des grands pas, il est resté en contrôle dans les airs sur le contact. Et tentera de réduire l'écart à 20 points avec le lancer franc. Un beau geste de sa part. Va chercher le contact sur Alec Faneuf. Et ce sera Louis-Vincent Gauvin qui prend son entrée pour Faneuf. Alec Faneuf qui est très confortable aux 3 points dans ce début de match, qui a connu un début de saison difficile aux 3 points, 1 en 9, mais aujourd'hui déjà au moins 3 points, 4. Quelques heures quand même. Assurément 2 ou 3. Ici Rougier qui est allé d'une pression tout terrain, 1-2-2. On semble enchaîner avec une autre défensive de zone. Ou une défensive en 3-2. Donc, on change de stratégie défensive. Et c'est toujours un 3 points. Maintenant, Kevin Vilsaint qui connecte sur le 3 points. Vraiment, Concordia est en confiance aujourd'hui de l'extérieur. Perte de balle là-dessus. On a cherché Lezovic. Les passes à l'intérieur qui sont souvent coupées là, du côté du Rougeur. On force un petit peu la passe dans un trou tout mince. Et malheureusement, c'est intercepté. Ismaël Diouf qui fera son entrée à la place de Haris Elezovic. Des attaques précipitées du côté de Laval. On sent qu'ils cherchent la première passe disponible. Des fois, ça fonctionne pas. Un peu de patience du côté de Laval pourrait... peut-être les aider à reprendre contrôle de ce match. Exact. Comme on avait bien fait en début de deuxième quart. Et là, on laisse l'opportunité à Jordan Telford qui n'en demandait pas tant. Encore une fois, un nouveau 3 points, vraiment. On est en réussite du côté de Concordia. Est-ce qu'Ismaël Diouf pourra répondre? Un deuxième effort de sa part. Malheureusement, le lancer est raté. Ici,
Sally. Telford à nouveau. Cette fois-ci, c'est manqué. Sidney Tremblay-Lacombe. 3 contre 2 en transition. On trouve Fabrice Wattier. Saïdou Sall. Et voilà, la 3 points là-dessus. Très bien fait. Très beau jeu de la part de Laval. Belle patience là-dessus. On est allé chercher Fabrice dans le 3 points. Dans le coin, n'a pas forcé le lancer. A fait une feinte pour trouver Saïdou Sall. Complètement ouvert, on le revoit là-dessus. Et Saïdou qui n'en demandait pas tant non plus. Un lancer qu'il est habitué de réussir à maintes et maintes reprises. On a été patient, on a été chercher le tir ouvert. On voit ce que ça donne. Exact. Et là, on aura besoin de bruit assurément ici au Peps alors que Concordia a une confortable avance. Les Stingers qui mènent 47-24 malgré le 3 points de Saïdou Sall juste avant ce temps d'arrêt, juste avant le temps mort. C'est vraiment défensivement, là, il faut arrêter l'hémorragie spécialement de l'extérieur. Plusieurs joueurs de Concordia qui sont en confiance et en réussissent. Donc, resserrer, sortir la main haute, empêcher ces lancers-là qui nous font mal dans les dernières minutes. Pression passive, là, 1-2-2 pour ralentir un peu l'offensive. T'en parlais tantôt, Félix. On voulait les ralentir avec une pression tout terrain. Tu avais vu juste avec la stratégie. C'est exactement ce que Coach Grant a jugé, a ajouté. Et ça fonctionne alors qu'il reste que 5 secondes. Et voilà, on crée la perte de balles. On a bien ralenti l'attaque. C'est ce qu'on veut du côté de Laval. On a vu des attaques très rapide, presque précipité du côté de Concordia. Le fait de ralentir le jeu un peu, ça oblige les joueurs à prendre de longues attaques. Et là, Fabrice. On cherche Sidney Tremblay-Lacombe, mais là, trop de contact. Kevin Vilsaint qui va être pris en défaut. On veut neutraliser Sidney Tremblay-Lacombe complètement et là, on en fait un petit peu trop. Willem Mwanza, bien fait à l'intérieur, tout en contrôle. Si on est un petit peu plus agressif là, du côté du rougeur là-dessus, Concordia qui installe son attaque, il reste seulement 12 secondes à faire. C'est exactement ce qu'on souhaite du côté du rougeur. Jahan, Telford, on revient avec Jahan. Temps d'aller chercher la faute. Et c'est un lancer de l'extérieur raté par Kevin Vilsaint. Et ce sera la contre-attaque. Sidney Tremblay-Lacombe avec la vitesse. Trouve Ismaël Diouf. Bon, beaucoup de contact à l'intérieur. Et Bradley Louidon qui commet la faute. Et Karam Sali qui fera son entrée. Prend la place justement de ce coéquipier. Bradley Louidon qui vient de prendre une faute. Aura le mandat certainement de jouer en défense sur Ismaël Diouf. On a vu sur la dernière possession de Concordia, Laval qui vient contester les shots aux 3 points. Ça oblige des tirs plus difficiles pour Concordia, des tirs à plus faible pourcentage. Exact. On veut forcer le joueur à mettre le ballon par terre, à attaquer le panier. Là où on a de grands joueurs comme Saïdou Sall, comme Mwanza, comme Ismaël Diouf qui sont prêts à prêter main forte en défense. Oui, exact. Et Diouf, malheureusement, 0 en 2, mais prend son rebond. Mais ne peut conclure à nouveau. Vraiment, ces petits lancers là, qui font mal aux Rougeurs ce soir, à la troupe de Nathan Grant. Aucun lancer n'est facile. Mais comme on le sait, la loi de la moyenne va rétablir le tout bientôt. Louvet sans Gauvin. Fabrice Wattier, beau rebond de sa part. Sidney Tremblay-Lacombe. La contre-attaque avec 1 minute 15 à faire maintenant. Diouf. On cherche Tremblay-Lacombe. Tremblay-Lacombe à l'intérieur.
On revient avec Diouf, avec 10 secondes à faire sur le 24. Il est doublé. Trouve Tremblay-Lacombe aux 3 points. Beau lancer Sal au deuxième effort. Jahan qui reprend le rebond avec une minute à cette première demi. 47 pour Concordia, 26 pour Laval. Vilsaint à Jahan, à Gauvin, à Telford. Déborde. Bien fait encore du Rouge et Or. Beaucoup de succès défensivement quand on force le joueur à attaquer le panier sur la baseline, là où il y a très peu d'espace. Et ce sera temps d'arrêt demandé par Coach Grant avec 44,7 secondes à faire. On veut aller chercher de bonnes séquences offensives, possiblement profiter de deux attaques contre une du côté de Laval. On voudrait, si c'est possible, atteindre le plateau des 30 points, ramener cet écart le plus possible. Mais oui, on sent la foule qui se réveille un petit peu aussi. Alors que le Rouge et Or vit une première demi un petit peu plus difficile. On aura besoin des encouragements de tous les partisans présents en grand nombre pour cette dernière soirée en 2023, ce dernier doublé de votre Rouge et Or chez lui, alors qu'on aura quelques matchs sur la route. Et on se retrouvera ici en 2024, le 5 janvier. Alors, nous y sommes, 45 secondes à faire. Rougeard tire de l'arrière, 47-26. Le ballon est dans notre territoire défensif. Steve Joseph, Saïdou Sall, Willem Mwanza, Sidney Tremblay-Lacombe et Ismaël Diouf. Beaucoup d'armes offensives sur le terrain pour le Rougeard en ce moment. Nous verrons comment ils capitaliseront. On va avec Diouf, Sall, le 3 points. Ah, dommage. Et on appelle la faute là-dessus sur Diouf qui a accroché Sami Jahan. On ramènera Keita. Ici, on ramène Keita pour éviter qu'Ismaël Diouf se retrouve en problème de faute. C'est le genre de faute rapide qu'on veut éviter du côté de Laval. Exact, surtout des fautes qui sont très loin de notre panier, qui sont pas nécessaires en fait. Et là, on écoule le temps pour prendre le lancer le plus tard possible dans le 24, alors qu'il y a 5 secondes d'écart entre le cadran et le 24 secondes. Et Jahan bien bloqué par Keita. Bien fait encore de Keita. Quelques secondes pour Sidney Tremblay-Lacombe. 3, 2, 1. En déséquilibre. Il va chercher la faute. Bien fait de sa part. Joueur d'expérience va chercher le contact là-dessus. Il veut réduire l'écart. Un joueur très combatif, très compétitif. Sidney Tremblay-Lacombe. Jamais il ne baissera les bras pour son équipe. Comme on le disait, un joueur qui est capable de... capable d'effectuer des jeux électrisants, qui est capable de ramener son équipe dans la partie. Oui, lui qui a été le meilleur marqueur sur le circuit l'an dernier. Et le voilà avec sa première réussite. Et le rebond là-dessus de Jordan Telford qui mettra fin à cette demi. Donc un écart de 20 points. Pas la première demi espérée pour la troupe de Nathan Grant alors qu'on tire de l'arrière 47-27. Ça a été une première demi où l'offensive de Concordia a été très, très, très opportuniste, notamment de l'extérieur. Beaucoup de 3 points. Alec Faneuf, Sami Jahan. On a eu aussi Duprat. Et en début de match, c'était Karam Sally à l'intérieur, donc un grand écart qui rapidement a été en faveur de Concordia. Félix, les ajustements en deuxième demi. Les ajustements défensifs de Laval clairement seront nécessaires. On a vu à la fin du deuxième quart là, des contests un peu plus solides sur les trois points. On a forcé des drives à l'intérieur de la clé où on a pu se faire accueillir par des joueurs comme Ismaël Diouf du haut de ses 6 pieds 9.
Donc, ça a mené à des shots plus difficiles pour Concordia. C'est ce qu'on veut de la part de Laval en deuxième demi. Exact, assurément. On va devoir créer des paires de balles, des turnovers, comme on dit, pour aller chercher des lancers faciles, revenir dans ce match, créer un petit momentum, ce qu'on n'a pas été en mesure de faire. Donc, un gros mandat, un gros challenge pour la troupe du Rouge et Or pour aller chercher cette troisième place, advenant une victoire ce soir. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour cette deuxième demi. Merci.
Alors, Félix, le jeu va reprendre environ une minute. Quels seraient les ajustements là, en début de troisième quart pour repartir, se ramener dans le match du côté du Rouge et Or? Certainement, il faudrait utiliser la grandeur un peu mieux qu'on l'a fait en première demi. On a eu quelques tentatives qui se sont rendues du côté de Laval à l'intérieur, mais pas été capable de capitaliser. On n'a pas été capable de mettre ces petits tirs à côté de l'anneau. Ce serait bien de commencer à les rentrer. Certainement, ça pourrait aider. Non, effectivement, on a essayé plusieurs fois avec Ismaël Diouf, notamment, qui n'a toujours pas marqué dans ce match. Elezovic, on l'a vu réussir des lancers, mais c'est surtout d'un peu plus loin des lancers, pas du 3 points, mais des longs 2 points. Donc, ouais. À l'intérieur, on a un avantage. Il faut capitaliser, effectivement. Sinon, en défense, il faut contester les 3 points. On a laissé des tirs faciles à Concordia, à Jordan Telfort, entre autres, à Alec Faneuf. Des tirs qu'on sait qu'ils sont capables de mettre. Ouais, effectivement, là, Concordia qui a eu trop de lancers ouverts. Il faut contester un petit peu plus les lancers, réduire le pourcentage de réussite, déranger les joueurs de Concordia qui ont une air trop confortable en première demi. Et ça paraît dans le score, là, 47 points en une demi. C'est un grand total. Allez, c'est parti. Rien n'est fait. Tout est à jouer encore. Alors que Steve Joseph mène l'offensive, Saïd Oussal. Beau lancer de sa part là-dessus. Et ça conclut. 2 points Sal. Ça prend des offensives rapides, efficaces, où on a des lancers de qualité, comme on vient de voir. Ah, dommage, belle pression là-dessus. Faneuf à Sally, qui a été accroché, semble incommodé. Faneuf à Jahan. Il faut l'arrêter, Jahan, bien fait. Et oui, c'est bien ce que j'avais vu, Karam Sally, qui semble avoir reçu un coup au visage, peut-être un doigt dans l'œil, lors du dernier rebond. Il semble très incommodé. Un autre joueur clé pour Concordia dans cette partie. Oui, alors que tout à l'heure, on a vu Jahim Joseph revenir avec des béquilles là, pour ménager sa cheville. Donc là, potentiellement, une deuxième perte importante. Et c'est reparti. Steve Joseph qui mène l'attaque des siens. Demande un écran. Sarl qui vient sur l'écran. On travaille avec Sarl à nouveau. On cherche Séné Tremblay-Lacombe en mouvement. Beau lancer de sa part là-dessus. Le rebond offensif également. Et on trouve William Wanza du 3 points. Bien fait de sa part. Et c'est une séquence de 5 points du Rouge et Or. Peut-être un momentum là-dessus, la petite étincelle qui nous manquait en première demi. Oui, Joseph, l'interception là-dessus. Séné Tremblay-Lacombe qui conclut. Voilà. Et voilà, on sent que l'énergie revient dans le gymnase. Rouge et Or, une petite séquence de 7-0. La pression tout terrain, on fait douter. On double avec Faneuf là-dessus, la nouvelle interception. Voilà, c'est l'énergie qui manquait en première demi à Laval. Exact, et là, c'est une nouvelle perte de balles pour Concordia. Le ballon est au Rouge et Or. Très bien fait, Coach Grant. La pression tout terrain qui amène l'énergie, qui crée des pertes de balles. Des paniers faciles. Oui, exactement. Des paniers faciles à haut pourcentage. On en a besoin. Malheureusement, on redonne la balle à l'adversaire là-dessus. On a bien fait en défense. Ballon qui a fait comme une fusée qui est montée dans les airs et retombée en chandelle. Joseph. Et on revient sur Sidney Tremblay-Lacombe avec Elezovic qui vient pour l'écran. On conteste fort l'écran de la part d'Alec Faneuf. Et on revient avec Elezovic. Ah, dommage. Ne peut finir. Malgré le tir raté, c'est le genre d'opportunité qu'on veut aller chercher pour Harris à l'intérieur. Exact, à l'intérieur, là, les peu de réussite du côté de Laval, Diouf, Harris, Elezovic. Et on crée une nouvelle paire de balles. Alors, on fait douter l'adversaire dans les dernières séquences, Rouge et Or. Beaucoup plus agressif, beaucoup plus incisif défensivement. Oui, on resserre la vis, on voit en défensive. On met pas mal plus de pression sur les joueurs de Concordia. Ça oblige des revirements de possession. Exact, on crée les erreurs plutôt que d'attendre et laisser l'adversaire confortable. Joseph là-dessus.
Haris Elezovic prend le rebond. Et dommage, ce serait une violation du 24 secondes là-dessus. Elezovic qui aurait peut-être pu lancer. Et tout est à refaire. Nouvelle séquence défensive. Keita qui prendra la place d'Elezovic. Jahan. Et ici, on trouve rapidement Tyrell Williams pour battre la pression. Jahan qui mène l'attaque. On a toujours une défensive de zone du côté du Rouge et Or. Faneuf qui déborde dans le petit trou. Il se retrouve à l'extérieur. On doit faire attention. Joueur dangereux à l'extérieur, Faneuf. Beau travail au rebond de Keita. Bel effort à nouveau. Et c'est sûr que ça va en prendre des deuxièmes efforts pour revenir dans ce match comme celui-ci. Joueur de grande taille qui a terminé dans les estrades, Mohamed Keita. Belle passe. Ah, dommage. Ah, c'est des petits lancers qui font mal dans un match comme celui de ce soir. Oui, depuis le début de la partie, on n'a pas été capable de capitaliser sur ces petits tirs près de l'anneau pour Laval. Ça fait mal. Oui, ça sent dans les corps alors que de l'autre côté, on a beaucoup plus de réalisme. Mais c'est bien défendu. Ah, Keita qui a de très belles séquences. Qui est sur tous les ballons. En défense, au rebond, sur le deuxième rebond. Joseph demande un écran de Keita. On sort très haut du côté de Jahan. Bien, Keita encore sur le rebond. Ne peut capitaliser. Et ici, on ira chercher l'entre-deux. Ballon à Concordia. Ah, dommage. C'est Keita qui fait tout le travail. Il est un petit peu déçu. Il reste le plus facile, j'ai envie de dire, c'est remettre la balle à l'intérieur. Se payer, comme on dit. Malheureusement, n'arrive pas à le faire ce soir. Mais assurément, a donné de belles séquences pour le Rouge et Or, surtout défensivement et sur le rebond. Changement du côté de Laval, Ismaël Diouf qui vient remplacer Keita. Oui, je pense que c'est pour apporter la petite touche offensive, justement, qui n'est pas la force de Mohamed Keita. Diouf devra compenser les belles séquences défensives de son coéquipier. On laisse le lancer facile ici. Et c'est ce qui a été difficile. C'est ce qui a été difficile en première demi, là, les lancers trop ouverts que Concordia prend avec confiance. Et là, William Mwanza qui va chercher la faute là-dessus. Deux lancers francs. Alors que l'écart est maintenant de 15 points. Rouge et Or qui a une petite poussée en ce début de deuxième demi. William Mwanza qui réussit le premier lancer. Et le deuxième, ce sera le rebond de Bradley Louis-Don. Alec Faneuf sur la contre-attaque. Le zone du Rouge et Or. Même zone qu'on a vu en fin de première demi. Dommage là-dessus, Steve Joseph qui avait bien anticipé cette passe. Et Fabrice Wattier-Bertium qui prendra la place de Steve Joseph sur la gauche du zone, de la défensive de zone. Faneuf. Et peu de secondes, il reste peu de temps pour prendre un lancer. Oh, bien fait d'Alec Faneuf là-dessus. On réclamait un marché du côté de Concordia. Fabrice Wattier qui cherche. Travaille avec Ismaël Diouf. On travaille avec Saloussard maintenant. Sidney avec 8 secondes à faire. Peu d'espace pour lui. Oh, très lancé, très difficile. Belle défensive de Concordia, une meilleure offensive de Sidney Tremblay-Lacombe. Exact, lancé en pivotant dans les airs, très difficile à effectuer. Un des lancers qu'il aime bien, Sidney. Lancé mi-distance. Parfois un art oublié là, en NBA. Mais Sidney refuse de l'abandonner.
Et 3 secondes à faire pour Concordia. Ici, une belle séquence pour le Rougeur pour arrêter l'offensive à nouveau. On ramènera Aris Elezovic et Ousmane Diawara. Prendront la place de Saïdou et de Willem Mwanza. On revoit Sidney Tremblay-Lacombe là-dessus. Quel joueur sur les transitions. Très, très difficile à arrêter. Faneuf du coin. Le rebond, la contre-attaque. Cet avantage, 4 contre 3 là-dessus. Est-ce qu'on saura capitaliser? Oh, Diawara difficile. Lancé très difficile alors qu'il allait à l'opposé du panier. Sami Jahan sur la contre-attaque. On trouve Telford dans le coin. Traverse jusqu'à l'autre coin. Ah, ici, on trouve Sami Jahan. Encore une fois, qui est ouvert. Prend même son rebond là-dessus. Telford. Sally à l'intérieur. Et ce sera la faute à Ousmane Diawara. Bel effort défensif de Laval. On voit que Concordia est obligé de prendre des possessions plus longues que ce qu'on leur a accordé en première demi. Oui, lorsque le Rougeur contient là, le lancer ouvert, lorsqu'on force à... lorsqu'on conteste plus loin, plus proche du lanceur, ça l'oblige à attaquer le panier. On peut venir avec de l'aide, on peut rotationner à l'opposé. Et là, Sidney qui demande à la foule au sixième joueur d'embarquer dans cette deuxième demi. Et il aura raison. Ça fonctionne. On veut retrouver une certaine étincelle là, du côté du Rougeur. Et voilà. Et on est reparti. Peut-être un momentum là-dessus. Diawara qui mène l'attaque. Sidney Tremblay-Lacombe trouve Elezovic. C'est dévié malheureusement à l'intérieur. Sami Jahan pour Concordia. Cherche. Trouve Faneuf à l'extérieur. Bien, on a contesté. Voilà. Et on trouve Telford. Bon mouvement de ballon là-dessus de Concordia. Très bel ajustement de leur part pour trouver le joueur seul et capitaliser sur l'Université Laval qui est en retard défensivement actuellement. Joseph. Oh, c'est compliqué. Ah, mauvaise passe ici de Steve Joseph. Anticipé par Concordia. On trouve Telford dans le coin. Attaque. Passe dans les pieds de son coéquipier. Tyrell Williams qui ne peut contrôler. Ce sera ballon Rougeur. Il a besoin de faire des attaques plus simples du côté, plus efficaces du côté du Rougeur. On tente de complexifier pardon, le jeu. Et c'est pas notre avantage actuellement. Joseph trouve Elezovic. On revient jusqu'à Ismaël Diouf à l'intérieur. Belle passe là-dessus. Belle patience d'Elezovic qui force Bradley Louis-Don à commettre la faute. Une bonne faute d'ailleurs. Elezovic a perdu complètement le contrôle du ballon alors que Louis-Don était en chute sur lui. Un beau jeu de passe de Laval. On a été capable d'aller chercher le beau petit lancer à côté du panier. Exact. Diouf sur la dernière passe qui voit son coéquipier de l'autre côté du panier. Et il y aura une violation. Est-ce qu'on reprendra le lancer? Je crois que oui. Donc on reprend le lancer. Qui pourrait ramener l'écart à 15 points à nouveau. C'est fait. Willem Mwanza qui prendra la place de Sylvain Tremblay-Lacombe. Le Rougeur avec 2 minutes 28 à faire dans ce troisième quart. En déficit de 15 points. On a senti du vouloir de belles séquences dans le troisième quart. Mais ça en prendra un petit peu plus pour revenir dans ce match. Notamment dans notre réalisme offensif. Surtout à l'intérieur de la clé. Ici, Faneuf. De la main faible, très beau geste de sa part, beau contrôle, belle finesse. Mwanza de l'extérieur. Dommage. Et c'est Ismaël Diouf qui touche à ce ballon. Ce sera Concordia qui reprendra avec 2 minutes 4 à faire. Faneuf avec Jahan. Défensive beaucoup plus haute, la pression qui est montée du côté du Rougeur malgré cette défensive de zone, on joue beaucoup plus haut. Une pression sur les gardes, c'est ce qu'on a de besoin. Exact, on a presque créé la perte de balle ici. Bien fait
Ah, dommage parce qu'on avait un bel effort là, d'Ousmane Diawara qui a forcé Jahan à faire un mouvement de plus, prendre un dribble de plus. Ici, précipite sa passe malheureusement. Et ça créera un 2 contre 1 de l'autre côté. Oh, belle défense de Steve Joseph. Quel bloc! Steve cherche Ousmane Diawara. On revient avec Steve Joseph. Travaille avec Elezovic. Cherche une brèche. Diawara. Et Elezovic qui va chercher la faute. Bien joué de la part d'Elezovic, capable d'aller prendre position sur son joueur à l'intérieur. Si ça n'avait pas été de la faute, ça aurait été un jeu 1 contre 1 à l'intérieur pour Harris. Effectivement, on cherche à donner le ballon très près du panier à Harris et Elezovic. Diouf. Steve Joseph. Enfin, de cadran. Bien fait de sa part. Steve Joseph, le lay-up facile. Une minute, dernière minute du troisième quart. Toujours en défensive de zone. Et on a eu l'entrée du numéro 20, Aurel Ouellet, du côté de Concordia. Telford, Afanef. Bien fait, on est bien revenu. Faneuf, en fin de cadran. Bien. Belle défense du Rougeard qui force un lancer. Force un lancer de côté de Concordia. Diawara avec la faute, bien fait de sa part. Et resté en contrôle tout le long. Il était capable d'utiliser sa longueur pour aller chercher un tir en hauteur. Loin du contest des défenseurs. On voit depuis que Laval a réussi à... On voit que depuis Laval a commencé son zone, on a été capable de mettre plus de pression sur les gardes à l'extérieur. Ça joue plus précipité du côté de Concordia. Oui, on a gardé Concordia à seulement 11 points dans ce quart jusqu'à maintenant. Contrairement à 47 en première demi, là, 23-24 points dans chacun des deux premiers quarts. Donc, assurément que notre défensive va porter fruit. Willem, bien fait Willem Wanza. 46-58. Et les si belles défensives contre Jahan. Et on finit avec une belle séquence. Donc le Rougeard qui comble l'écart. Écart de 12 points à l'approche de ce quatrième quart. C'est exactement ce qu'on voulait, Félix. Oui, vraiment. On voit que les joueurs reprennent une confiance qu'on sentait moins un peu en première demi. Ouais, effectivement, tu as cherché de belles séquences. Notamment le dernier 3 points là, qui ramène un petit peu le feu du côté du Rougeard. Qui ramène la foule dans le match également. Qui peut avoir une influence. Et l'écart est maintenant 12 points. Et je le rappelle, on a accordé seulement 11 points dans ce troisième quart. Là, la défensive du Rougeard qui a joué du très, très beau basketball. Offensivement, il nous manque toujours ces petits paniers proches dans la clé. Aller capitaliser là-dessus et on aurait un match complètement différent. Oui, exact. Et c'est le dernier quart en 2023 à la maison pour les joueurs. Donc, on est confiant qu'ils vont vouloir tout donner. Alors, la question du jour, quel joueur a été nommé joueur par excellence l'année dernière? Sidney Tremblay-Acombe, Steve Joseph ou bien Ismaël Diouf? Lequel de ces trois joueurs a été le joueur par excellence l'an dernier pour le RSEQ? Et oui, c'est un joueur de l'Université Laval, vous avez compris. Et la réponse, est-ce que tu la connais, Félix? Bien sûr, c'est Né Tremblay-Lacombe. Effectivement, donc le meilleur joueur, le MVP l'an dernier dans le circuit du RSEQ, c'est notre numéro 6 qu'on voit à l'écran, Sidney Tremblay-Lacombe. Sera-t-il nous sauver ce soir
comme il l'a fait plusieurs fois dans le passé. On lui en demande toujours un petit peu plus, mais on sait qu'il est capable. Un joueur d'exception qui semble meilleur encore sous la pression. Et on a connu un très bon troisième quart. On revient dans le match petit à petit. Et là, il faut tout donner. Défensivement, on a fait des ajustements. Ça s'est fait sentir sur le terrain. Willem au perte de balle. Samy Djahan à l'interception. Beaucoup de vitesse. Oui, un très bon troisième quart, notamment de Willem Wanza, là, qui est le meilleur marqueur ce soir du côté du Rouge et Or. Et là, on appelle la faute sur Aris Elezovic. Toujours cette pression, 1-2-2. Et Aurel Ouellet verra ce que l'absence de Karam Sali aura comme conséquence aussi pour du côté de Concordia, lui qui a été très bon, qui a connu un fort match. Domach Elezovic qui ne peut conclure là-dessus. Encore, on s'était créé l'espace, on a l'opportunité. Et Faneuf qui a presque réussi un lancer en tombant là-dessus. Joueur de 5 pieds 7, mais n'a pas peur d'attaquer le panier et de finir au panier devant les grands joueurs. Le 5 pieds 7, mais très capable de compétitionner avec les grands joueurs de Laval. Oui, effectivement. Une grande impulsion, capable de finir de la main droite, de la main gauche. Premier lancer réussi. Et dommage, est-ce que le ballon est au Rouge et Or? Oui, le ballon est au Rouge et Or. Alors qu'on a joué de chance là-dessus. On n'a pas su sécuriser le ballon. Et Steve Joseph qui mènera l'offensive de la troupe de Nathan Grant. Le voilà, qui est doublé. Contourne à l'intérieur. Trouve Saïdou Sarl. Ousmane Diawara. Dommage, trop court. Rebond Steve Joseph, bien fait! La volonté, le deuxième effort de sa part qui paye là-dessus. Aurel Ouellet, l'écran sur Samy Djahan. Willem qui est toujours bien placé. Alec Faneuf, on revient à Samy Djahan. Willem Mwanza, Steve Joseph maintenant sur Telford. Mwanza, et on travaillera le lancer mi-distance. C'est bien réussi. Tyrell Williams qui n'hésite pas à prendre ce lancer là, du T. Lancer mi-distance qui lui réussit bien. Est-ce qu'on ira voir à l'intérieur? Lancé dans le coin. C'est fermé pour Ousmane Diawara. Et on réclamait un marché de la part de Concordia. Saïdou Sarr qui malheureusement ne peut conclure. Tout semblait fait encore une fois. C'est vraiment les petits détails qui font la différence dans ce match. Oui, vraiment. Là où Alec Faneuf, Samy Djahan ont été en grande réussite ce soir, les Saïdou Sarl et Sidney Tremblay ont eu beaucoup plus de difficultés. Bien, beau rebond d'Ismaël. En contrôle. On attaque avant que la défense se place. En force, Steve Joseph, Saïdou. 3 points. Dommage. Ismaël et Saïdou, le deuxième effort. Samy Djahan qui revient en support. Samy Djahan qui joue un fort match également. Toujours bien placé offensivement, défensivement. Très responsable. Peu d'erreurs. Et on crée le marché ici. Et Sidney qui refera son entrée à la place d'Ousmane Diawara. Steve Joseph. Avec Sidney Tremblay, la combe en mouvement. Willem Mwanza. Steve avec la défensive serrée de Faneuf. Mwanza déborde. Bien fait, Willem Mwanza.
lui qui a été le meilleur joueur offensif du côté du Rouge et Or, tout en effectuant un gros travail à la tête de ce zone 3-2. Sami Jahan, la réponse. Et c'est raté. Ballon sera au Rouge et Or. 6 minutes 37 à faire. 13 points d'écart entre ces deux équipes. Rouge et Or qui tente de revenir de l'arrière alors que les Stingers de Concordia mènent depuis les tout débuts de ce match. Pour rehausser l'énergie du côté de Laval, revenir à ce qu'on a vu au début du troisième quart, tout en gardant une défensive forte comme on la voit présentement. Effectivement, et ça va prendre des paniers de l'intérieur surtout. Il faut qu'on concrétise nos grands joueurs. On a vu Steve Joseph tout à l'heure sur le rebond offensif. Eh oui, Saïd Oussar, le 3 points, ramène l'écart par 10 points avec 6 minutes 15 à faire. Lui qui avait eu quelques belles opportunités depuis le début du match. Et tout d'un coup, tout le monde y croit. Tout le monde y croit au retour de l'équipe locale. Belle défense là-dessus. On force un lancer difficile du coin. Belle réponse là-dessus. Emmanuel Duprat. Un gros 3 points de sa part alors qu'on sentait l'énergie qui revenait là, du côté de la foule, du côté du Rouge et Or. Et Emmanuel Duprat qui vient connecter un 3 points pas facile avec Sidney devant lui. Et on voit la foule ici qui encourage son équipe. On a besoin de toutes les onces d'énergie, toutes les ondes positives qu'on peut envoyer, même vous à la maison. Avec un déficit de 13 points, c'est un gros défi qui attend notre équipe. On vous rappelle qu'avec une victoire du Rouge et Or, l'équipe qui se retrouverait au troisième rang du classement. Ismaël Diouf travaille avec Steve Joseph là-dessus. Bien, on trouve Ismaël. Bien, ça connecte. Voilà le genre de panier qu'on veut. Steve Joseph, très belle passe là-dessus. Belle patience. Et Ismaël qui est fini en beauté. Ismaël Diouf qui a eu de la difficulté à l'intérieur en début de match. Oui, c'est pas... Il nous a habitués à de meilleures performances. Faneuf du même coin que Duprat tout à l'heure. Et à chaque fois, Concordia qui semble avoir une réponse. À chaque belle séquence des joueurs de Laval. Concordia qui sait répondre. Diouf par deux fois là-dessus. Diouf qu'on commence à reconnaître un peu plus. Effectivement, c'est à quoi il nous a habitués. Ici, Tyrell Williams. Et c'est Karam Saleh qui est revenu. Williams au rebond offensif. Jahan. Le pivot, perte de balle. Saïd Oussal qui récupère avec un peu de difficulté ce ballon. Steve Joseph sur la contre-attaque. Faute ici de Faneuf. 4 minutes 26. 12 points d'écart toujours. Ça prendrait une petite percée du Rouge et Or. Empêcher Concordia de répondre à chaque fois qu'on a une belle séquence pour aller chercher le momentum pendant 2, 3, 4 attaques. S'il faut, Joseph, le 3 points. Et c'est là, c'est cette séquence-ci qui est importante. Il faut arrêter absolument. Empêcher la réponse de Concordia alors que l'écart est en bas de
de 10 points. On doit le garder en bas de 10 points. Tout est possible. Pour la première fois depuis le premier quart, tout de même. Oui. Et voilà. C'est ce qu'on a besoin. Un rebond, gros rebond défensif. Contre-attaque, Sydney en transition. Belle patience. On trouve Saïd Oussal. Steve avec Ismaël. Steve Joseph qui connecte. Steve qu'on sent beaucoup plus en confiance qu'en début de match. Exact, trouve de bons lancers. En début de match, on le voyait qu'il essayait souvent la passe très difficile entre les joueurs au travers de la clé. Maintenant, ralentit, arrête et prend le petit lancer. Et cette patience-là paye dans les dernières séquences. Et c'est un écart de 7 points. 62-69. Concordia qui voit son avance s'effriter en cette deuxième demi. Le doute peut s'installer. Et on le rappelle que chez Concordia, il y a deux absents. Là. Jaheim Joseph, qui s'est blessé en début de match. Et le numéro 24, Bradley Louidon, qui est sorti. Numéro 15. Numéro 15, pardon, oui, c'est Karan Salé. Ouais. Louidon était simplement sur le banc, mais c'est Salé qui est sorti du match. Problème de faute. Mais il y a toujours Faneuf. Il y a toujours Jahan, il y a toujours Tyrell Williams. Et on le ramène dans la partie. Karam Sali, ouais, qui fait un retour. À quatre fautes. Lui qui a passé tout ce début de quatrième quart sur le banc. Le revoilà. Et c'est maintenant. On entend la foule qui se réveille. On met de la pression ici. Ah oui. Sydney. On est passé très près là, du vol de balle et on a ralenti l'attaque. C'est déjà ça. Faneuf. Ah, belle patience là-dessus, Tyrell Williams. Les deux joueurs du Rouge Or qui ont sauté trop vite. C'est ce qu'on veut du côté de Laval défensivement à ce stade-ci du match. On veut mettre un peu d'agression en défense, un peu de pression sur les joueurs qui montent le ballon. Montrer que c'est pas fini, qu'on a encore de l'espoir. Oui. Joseph lancé difficile là-dessus. Mais plus de difficultés dans la dernière séquence à trouver un lancer de qualité. Alec Faneuf. Cherche une brèche. Duprat à Tyrell Williams. Et ici, une fois de plus, Concordia. Chaque fois qu'un momentum s'amorce du côté de Laval, Concordia qui trouve une solution, qui revient dans le match, retrouve des paniers faciles. Tout à l'heure, c'était des lancers de 3 points qui empêchent le Rougiard de ramener ça par 5 points. Ramène l'écart à 10, c'est maintenant à 11. Concordia qui démontre une grande patience, capable d'aller chercher des tirs complètement ouverts. Mené par Alec Faneuf et Sami Jahan. Capable de faire 2, 3, 4 passes et se rendre à un panier ouvert, soit à côté du panier, soit au coin pour le 3 points. Oui, et puis on sent pas de sentiment d'urgence, même quand on arrive dans les 5 dernières secondes du 24. On continue de prendre les bonnes décisions, même de faire une passe de plus s'il faut, comme on l'a vu avec Tyrell Williams sur la dernière séquence. Il reste une seconde sur le fameux shot clock, mais il est à côté du panier complètement ouvert. C'est un lancer de routine qu'il réussirait les yeux fermés. Exact. 2 minutes 43. Le ballon est au Rouge et Or. 11 points séparent les deux équipes. Voyons voir ce que Coach Grant nous a préparé. Comment on attaquera cette dernière partie de match. On y va avec Steve Joseph. Beaucoup d'écrans dans un espace restreint. Sydney. Bien fait la part de Sydney Tremblay-Lacombe. Et c'est dans ces moments qu'on a besoin de nos meilleurs joueurs. Ici, on retrouve Alec Faneuf. On a bien réussi à ralentir la défense. Ralentir l'attaque, pardon. Duprat qui a été dangereux de ce coin tout à l'heure. Sarl devant lui, il comptait se lancer. Est-ce qu'on a réussi à récupérer le rebond? Bien fait. Beau travail de Steve Joseph.
Lui qui travaillait contre deux joueurs sur le rebond. Belle défensive, on ralentit l'attaque, mais on met de la pression. Oui, Joseph est en vitesse contre Jahan. Perd le contrôle, récupère. On travaille avec Diouf. Pourra-t-il finir? Sidney, dommage. En tout de même un lancer de qualité. On veut des lancers de qualité à nos meilleurs joueurs. Sidney Tremblay-Lacombe qui avait un espace là, pour lancer ce dernier 3 points. Malheureusement, un petit peu moins de réussite ce soir de sa part. Pression de terrain, Willem qui mène cette pression. Alex Joseph, Alex Faneuf. Avec Tyrell Williams, on regarde à l'intérieur. Duprat, Faneuf, ce sera un lancer difficile. Et ça n'a pas touché l'anneau, donc ce sera ballon rougeur. Violation du 24 secondes, 9 points d'écart avec 1 minute 20 à faire. Ça commence à presser là, du côté du rougeur. Il faudra marquer beaucoup de points là, si on veut revenir dans ces dernières secondes. Et surtout, il faut lancer rapidement dans le 24. Joseph, 2 points. Un gros tir. Oui, lancer difficile. Et il faut construire là-dessus. Concordia de leur bord savent que l'avantage qu'ils ont présentement, c'est de prendre leur temps. Effectivement, l'avantage du cadran est non négligeable dans une situation pareille. Concordia doit faire attention au ballon, éviter ce genre de situation, mais bien repris de leur part. Ici, panier, non. Panier refusé. On a marché du côté de Sami Jahan. Donc, le Rougeur qui récupère le ballon. Beaucoup de temps s'est écoulé aux 24 secondes. Donc, il reste 46 secondes au match. On doit rapidement traverser le terrain. Et on souhaite marquer. C'était Joseph avec 45 secondes. 42, 41, 41 secondes. Le lancer de l'extérieur. Il se mêle au rebond. Ah, dommage. On ne pourra récupérer. Sidney Tremblay-Lacombe. Et on met une légère pression là-dessus. Sami Jahan qui prend tout son temps. Oui. On l'attaque avec patience. Ah, tout un match là. Sami Jahan, Alex Faneuf qui ont joué de longues minutes dans ce match. Très peu d'erreurs de leur part malgré la pression du Rouge et Or. Les deux joueurs qui ont été patients ont pris les bonnes décisions, ont su traverser la pression, faire les bonnes passes, trouver les failles dans la défensive de zone. Fabrice maintenant qui prendra la faute avec 25 secondes pile à faire. Et on doit jouer jusqu'au bout du côté du Rougeur car le différentiel de points entre ces deux équipes est très important. Les deux équipes qui sont présentement 3e et 4e au classement dans la Ligue. Donc advenant une égalité, on regarderait le différentiel. Notamment celui dans les matchs les opposants. Donc chaque point est important ici dans la victoire comme dans la défaite. En effet, Alex, c'est pas terminé. Un écart de 7 points, il reste 24 secondes. Tout est encore possible. Avec le premier lancer, Tyrell Williams qui est manqué. Là, l'objectif, c'est de prendre le ballon et de remonter le terrain rapidement. Ça se joue en 3 possessions. Sidney Tremblay. Allez, on trouve Steve Joseph. Trouve la brèche, rate le lancer. Sami Jahan qui récupère. Monza qui prend la faute.
Il se retrouvera au lancer franc, Sammy Jahan. Et ça commence à devenir même mathématiquement difficile avec 15 secondes à faire. Et maintenant, 8 points d'écart toujours. Et c'est reparti, Sidney Tremblay-Lacombe. Cherche un joueur, Ismaël Diouf, de l'extérieur. Steve Joseph au rebond. Oh. Jahan qui récupère là-dessus et se fait fauter avec une seconde à faire. Donc Concordia qui, avec la victoire de ce soir, confirme sa troisième place. Et le Rougeard qui devra se contenter d'une quatrième place qui dépendra du match de McGill. McGill qui pourrait revenir talonner le Rougeard. Et Jahan qui réussit. Et c'est ainsi que se termine ce match. 76 Concordia, 66 Laval. Concordia, Félix qui a mené d'un bout à l'autre de ce match. Ouais, on a senti une énergie en deuxième demi pour Laval, mais tort un peu dans ce match. Oui, on a tenté de revenir, mais l'écart forgé en première demi était trop important. Et on vous remercie, ceux qui étaient présents et ceux à la maison. C'était le dernier match en 2023 du Rougeard au PEPS. La prochaine fois que nous nous retrouverons, ce sera en 2024, le 5 janvier. Merci à tous d'avoir été avec nous. Une grosse deuxième moitié de saison attend le Rougeard qui accueillera les championnats canadiens ici à Québec plus tard après les séries éliminatoires. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.